savez, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui l'équipe du film. Donc, sous vos applaudissements. Moi je suis élève à la fac de Créteil, du coup je suis venu exprès pour vous rencontrer et pour voir le film. Moi j'aurais plus une question à poser par rapport au réalisateur. Pourquoi un film sur Victor Hugo Pérez et pourquoi pas sur Cerdan ou Carpentier qui ont aussi des destins singuliers aussi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait Victor Hugo Pérez c'est une histoire absolument incroyable qu'un scénariste aurait eu du mal à imaginer. Moi l'histoire de Victor je la connaissais dans mes débuts dans la boxe en fait, au moment où j'ai la chance d'intégrer l'équipe de France à Paris à l'INSEP. Et en fait, l'année où j'arrive, il y a une plaque commémorative. Ils rigolent parce qu'on n'arrête pas de faire des tournées, à chaque fois je la sors. Il y a une plaque commémorative à ce moment-là. Il y avait sa date de naissance, son palmarès et sa date de décès. Et c'est une histoire en réalité qui m'a suivi depuis mes débuts dans la boxe. Champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Là, vous avez même reçu la Légion d'honneur, vous avez fait des études. Là, maintenant, vous êtes acteur. Quel bilan un peu vous tirez de tout ça en fait ? Bah, je suis un peu jeune encore pour tirer un bilan. Ouais, vous êtes pas vieux. En tout cas, pour être honnête, franchement, je fais ce que j'aime et à partir du moment où je crois en quelque chose, où je me fixe un but, je me bats pour aller le chercher. Donc, ça passe par du travail, quoi qu'il arrive. Dans tout ce que j'ai fait, sincèrement, s'il y a un repère que j'ai au fond de moi, c'est le travail. Je sais que je récolte ce que je sème. Donc, si je fais le travail en amont, il n'y a pas de raison que je récolte pas quelque chose. Après, l'apothéose, c'est de réussir exactement ce qu'on entreprend. Il s'avère que j'aime bien m'engager dans quelque chose et j'aime bien aller au bout surtout et essayer de faire en sorte d'être le meilleur, en tout cas pour la boxe et pour ce que j'ai entrepris avec l'équipe ou le DU ici à la Sorbonne. C'était vraiment à l'opposé de ce que j'étais en train de faire parce que j'avais négligé plus ou moins ma scolarité due à une carrière de haut niveau. Je savais que j'avais des lacunes et que j'avais envie d'apprendre des choses. Donc voilà, j'ai saisi cette opportunité pour imaginer autre chose, mais sans savoir réellement quoi. La seule chose, je savais que j'avais besoin d'un bagage, serait-ce qu'au niveau de l'expression, au niveau... ce qui était bien dans le master que j'ai fait, c'était de connaître le sport dans son ensemble. Donc moi, je le connaissais qu'à travers mon regard d'athlète. Et puis là, d'apprendre l'arrêt Bosman et ainsi de suite, ça m'a donné une vision beaucoup plus large du sport. Essayer de le comprendre, regarder un petit peu l'économie actuelle du sport en général, et essayer de le mettre en application dans ma discipline qui est la boxe. J'ai un sport qui me permet bien de me connaître, où j'ai été dans les difficultés, ou quand t'es dans le dur. C'est tellement facile de dire « ouais, j'aurais pu », mais en boxe, quand tu as un adversaire qui te fait mal parce qu'il frappe fort, donc inconsciemment, tu vas aller chercher d'autres solutions. Donc ça va être, moi j'ai axé ma boxe sur l'adaptation, donc d'anticiper sur l'anticipation. Certes, il fallait que je sois dur physiquement, donc j'ai appris à me connaître suffisamment aussi bien dans ma tête comment comment peut réagir mon corps. Alors là, pour revenir au cinéma, j'ai trouvé pas mal de similitudes, mine de rien, vis-à-vis de la boxe. Par exemple, nous en boxe, moi j'avais une trentaine de personnes autour de moi qui s'occupaient de moi. Au final, plus de 1000 personnes avec moi, bien évidemment, pour mes combats. Mais quand j'arrivais sur le ring, j'étais seul face à un adversaire entre 12 cordes. Là, ce que j'ai trouvé similaire avec le cinéma, c'est qu'il y a toute une équipe en amont, les comédiens, le staff qui t'aide à apprendre ton jeu et à te mettre dans le bain. Et puis quand tu arrives devant la caméra, quand le réalisateur te dit « action », voilà, t'es seul face à la caméra et c'est là où il faut être à 150%, c'est de l'immédiat. Et si je peux ajouter quelque chose, est-ce que ça vous a donné envie de continuer ? Moi, j'ai été piqué, ouais. Bonsoir. Moi, j'avais une question à Madame Laure Balzan. Je me demandais comment, en tant que chef décoratrice, justement, on recrée tout un décor comme ça. Pour parler de l'univers artistique du film, c'est vrai qu'à la lecture du scénario, quand Jacques nous a confié le scénario, je peux vous garantir qu'à ce moment-là, il y a un petit temps qui se met en place parce que, comme vous allez le voir tout à l'heure, je pense, c'est la reconstitution des camps d'Auschwitz. Et là, on se demande si on va pouvoir porter ce film et en être capable, hein, et de surtout le documenter et d'aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, en film français, il n'y a jamais eu de reconstitution à l'intérieur des camps. Il y a à peu près trois grandes parties dans ce film. Il y a toute la partie tunisienne, l'enfance de Victor. Jacques voulait un univers très ensoleillé, très frais, très beau. Et ensuite, on a l'univers parisien, l'univers de la fin des années 30. Et ensuite, on a l'univers des camps. Donc ça c'est un,
En fait, c'est un travail, on va dire, à trois, un travail avec le metteur en scène, les chefs opérateurs et la direction artistique. On a travaillé en fait avec donc plusieurs pays. On est allé en Israël pour reconstituer la Tunisie. Jacques était allé en repérage en Tunisie et il s'est avéré que il n'a pas retrouvé la Tunisie des années 30 là-bas. Il restait plus grand chose. Donc c'est vrai que c'est dans la ville arabe de Jaffa qu'on a reconstitué le port de l'univers de Tunis. Donc avec l'univers du jasmin, des fleurs. Les vrais Tunisiens s'y sont pris les pieds parce qu'ils ont vraiment cru que c'était Tunis. J'ai travaillé en accord avec le chef costumier et les chefs décorateurs. Et pour cela, je me suis beaucoup documentée. On est parti à Auschwitz avec Jacques, lui de son côté et moi du mien. Et ensemble, c'était assez dur de faire des photos, d'y aller là-bas pour un devoir de mémoire et en même temps faire des photos parce qu'on sait très bien qu'on en a besoin pour pouvoir reconstituer le camp d'Auschwitz. Donc beaucoup, beaucoup de photos, pas avec l'appareil photo, mais avec l'iPhone en cachette, assez discret. Et des photos, des photos, des photos, et qui ont nourri énormément la décoratrice de Bulgarie. Le camp a été reconstitué en fait dans un camp militaire en Bulgarie, parce que vous pensez bien que tourner à Auschwitz, on ne peut pas tourner dans un endroit aussi respectueux, parce qu'une équipe de tournage qui vient dans un lieu pareil, c'est 50, 100 personnes qui ont besoin d'installer le matériel, de la lumière. Donc tout a été reconstitué de A à Z, on va dire. C'est une histoire vraie. L'histoire de Victor est une histoire vraie. On a tous les éléments maintenant, après avoir fait toutes les recherches qu'on a faites, pour en être certain. Mais il y a évidemment une partie fiction qui a été ajoutée. Très souvent, les acteurs qui jouent sur des films historiques comme ça, notamment la Shoah, expliquent qu'à des moments, ils ont craqué psychologiquement. Il y a notamment Mélanie Laurent sur le tournage de la RAF qui a somatisé, qui avait fait un zona. Et je voulais savoir si vous aussi, par moment, vous aviez ressenti toute cette émotion et vous aviez pu penser que vous n'arriveriez pas à aller jusqu'au bout du film. Est-ce que vous aussi, vous avez été vraiment pris par tout ça ? Vas-y, Stéphane. J'aurais jamais pensé que Brahim mette un pull de cette couleur-là. Non, je dis ça nerveusement parce que forcément, on est rempli d'émotions. On est à quelques jours de la sortie du film. C'est un film qui a été porté par son réalisateur pendant des mois et voire des années. Et jouer un personnage et des personnages aussi émouvants, on a beau croire qu'on a une distance par rapport à eux, quand on se retrouve dans une reconstitution de camp, qu'on a perdu 10 kilos chacun en 3 semaines pour qu'il y ait une différence entre le début et la fin du film, et quand on se retrouve entouré de figurants dans un truc où il fait moins 15 degrés, avec une ambiance lourde, on ne peut pas ne pas se dire comment ils ont fait, et on ne peut pas ne pas se dire qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à leur place. Et donc, juif ou pas, s'intéressant à l'histoire ou pas, forcément, il y a des moments où on a craqué vraiment. Moi, je n'ai pas vécu, mais pas ma famille, donc... Je me suis beaucoup documenté. Jacques m'a donné beaucoup de documentation sur Victor et sur cette période. À un moment donné, on était en Israël, on tournait, et il y a un monsieur Noah Kliger qui était déporté avec Victor dans les camps. On se croise, on se présente, et je lui pose plein de questions. Comment était Victor dans les camps, comment il se comportait dans sa vie, quel champion il a été, quelles étaient ses qualités. Bon, à un moment donné, il me parle de plein de choses, et on arrive à aborder les camps. Et je vous jure, il m'a fait ça avec une finesse, avec une délicatesse incroyable. C'était un monsieur qui est âgé, il doit avoir plus de 80 ans. Et avec son petit doigt, il me montre tout doucement sa manche, et je vois les trois premiers numéros tatoués. En fait, toute son histoire m'a plombé en réalité. Donc, le mot tatoué, le mot ancré prenait toute sa signification. Et là, d'un coup, tout ce qu'il me racontait, ça a pris une dimension folle dans ma tête. Quand on arrive dans le tournage, donc on est dans le dortoir, il faisait moins 15 vraiment en Bulgarie, donc il faisait extrêmement froid. À un moment donné, on est dans le dortoir et je vais voir Jacques. Je lui dis, Jacques, s'il te plaît, si tu veux bien que je te fasse une belle prise, mets-moi un peu de chauffage. Donc, il me met un peu de chauffage. Et à ce moment-là, en fait, j'attends. Et je regarde à gauche, je regarde à droite, je vois tout le monde en tenue de déporté. Et à ce moment-là, je me dis, bon, Brahim, t'aurais été à cette époque, qu'est-ce que t'aurais pu faire ? Qu'est-ce que t'aurais pu dire ?
Alors malheureusement, l'équipe doit repartir parce qu'ils enchaînent avec une autre avant-première payante cette fois. Donc on va les laisser partir sous vos applaudissements, bien sûr. Tu tombes tout de suite, Victor. Ils organisent ce combat pour nous montrer à quel point ils sont supérieurs. Si tu tombes pas tout de suite, t'es mort, Victor. Ici, c'est une maison de prestige. Tu baisses la tête, tu serres les clients. Non, non, madame. Doucement, Victor, arrête! C'est lui qui a commencé. C'est toujours la même chose avec vous, les melons, hein. Toujours à vous plaindre. Je suis peut-être un melon, mais je suis aussi un youpin. Eh bien, proposer, c'est le match, demain. J'arrêterai quand je serai mort. Vous vous souvenez de moi? C'est pourquoi t'es ici. Parce que t'as pas oublié d'où tu viens. Viens, cette fille. Elle est pas pour nous. Pas pour nous. T'as oublié tes boxeurs ou quoi? 54. Non, mais c'est pas vrai. Faut qu'il perde 4 kilos en quelques jours, hein. Victor, faut vraiment pas te laisser rentrer. Qu'est-ce qu'il y a, ça cause de mes fringues? Je pensais pas te tirer jusque-là. Hein? Je suis. Victor Pérez, en 36 combats, pour 27 par KO. Et t'es prêt, c'est nul. Le miracle, c'est de vivre.